Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on se retrouve. Alors, je vais partager avec vous. Professionnel financier et on va aller zoomer la situation professionnelle financière d'une personne. Le message que je peux partager aujourd'hui avec vous, bien sûr, c'est du général, vous faites bien preuve de discernement. Et on va voir tout ce que je peux partager avec vous. Donc déjà, je débute avec un message carte et après je partage mon écrit. J'espère que vous vous portez tous et tous très très bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, peu importe quelle qu'elle soit. Merci, merci, merci. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on va prendre le précieux conseil message que vous avez à recevoir aujourd'hui dans votre professionnel. Alors, aujourd'hui. Alors là, on parle de mutation. Donc là, il y a des choses, il y a une grosse mutation professionnelle financière dans ces énergies de nouvelle lune. Il va y avoir aussi une guérison. Guérison, tout type de guérison, quel qu'il soit, pour réparer, pour une guérison, pour réparer votre professionnel, votre financier. Une réparation, une guérison, une réparation en profondeur. Ça peut être professionnel financier. Ça va être vraiment comblé, vous allez être comblé, comblé à souhait. Et vous allez recevoir aussi une aide à agrandir la vision, votre vision de la vie. Allez, message carte. Je prends ce magnifique oracle-là. Et je vais prendre un message avec celui-ci. Allez, c'est parti. Professionnel financier, le message que vous avez à recevoir aujourd'hui. Nouvelle lune, ça tombe très très bien. Donc là, en ce moment même, dans cette nouvelle lune, dans votre professionnel. Là, oui, vous allez célébrer quelque chose. Il y a quelque chose de joyeux. Dans cette nouvelle lune, il y a quelque chose de joyeux qui arrive à vous dans votre professionnel, dans votre financier. Mais on se pose la question, est-ce que ça va se transformer votre situation financière? Parce que vous pouvez être dans une situation extrêmement bloquée, figée, glacée. Et peut-être, voilà. Mais je vois des demandes de souhaits, de prières. Que vous faites peut-être tous les jours, c'est peut-être quelque chose de récurrent tous les jours. Même dans cette nouvelle lune, je pense que vous allez faire cette demande. Et ça arrive. Il y a un retour, regardez. La situation, vous pouvez être dans une situation avec un énorme blocage à l'intérieur même de votre situation professionnelle et ça se répercute sur vos finances. Et là, j'ai un feu de passion dans cette nouvelle lune. Là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des grosses bonnes nouvelles. Il y a énormément de communication. Peut-être des communications que vous n'aviez plus de communication à l'intérieur même de votre professionnel. Et là, il y a des communications qui se refont. Je vois un flot de communication qui arrive à vous. Et une grosse accélération. Vous êtes ce jeune homme aux cheveux clairs. Ou alors c'est ce jeune homme aux cheveux clairs. Alors, autour de vous, professionnel financier, il peut y avoir soit des situations, liens, personnes, événements toxiques pour vous sur la situation professionnelle financière. C'est ça qui glace les choses. Mais là, dans cette nouvelle lune, il y a quelque chose, il y a un retour à la joie, à des jolies choses, et tout se transforme professionnellement. Pour moi, je vois ces liens toxique, professionnel, financier, toxique, situation, personne, événement. Ça s'écarte de vous et de la situation. De s'écarter de la situation, ça va permettre d'accueillir toute la nouveauté et les bonnes. Vous voyez, il y a un très très bel équilibre. Un très très bel équilibre et un retour à l'épanouissement. Vous allez célébrer des choses financiers, professionnelles. Il y a des beaucoup. Il y a, voyez votre situation.
Votre situation professionnelle se transforme là dans cette nouvelle lune. Et il y a un écartement vraiment vraiment de tout le toxique. Et pour moi, le toxique ne pourra pas faire refaire surface en fait sur la situation là. C'est un peu. Enfin, pour moi, c'est pas. Je vois pas. Je vois pas que ça reviendra. Allez, je partage. Alors, je peux avoir aujourd'hui une stagnation pour une personne qui va se transformer. Je vois qu'il va une stagnation qui va s'accélérer, qui va se transformer en accélération. Par cette accélération, ça va vous apporter beaucoup d'apaisement dans cette nouvelle lune. Donc voilà, il y a une stagnation qui va se transformer en accélération, et l'accélération va vous permettre un apaisement de voilà, tout entier sur la situation professionnelle financière. Je vois une belle progression. Je vois des accélérations qui seront pour toujours, hein. Ça, c'est extrêmement protégé. Il y aura des accélérations sur la situation pour toujours. Voilà. Vous ne. Je vois pas sur cette situation financière professionnelle quelque chose qui pourra repartir à la stagnation. Non. C'est terminé. Vous en sortez. C'est une bonne fois pour toutes. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais partager avec vous. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des pouces. À vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt!